Majorité absolue des votants, 17. Ont obtenu Pierre Acquavive, 17. Bernard-Antoine Acquavive, 1. Stéphane Paquet, 15. Pierre Acquavive est le nouveau président de la Chambre régionale des députés. Sous les applaudissements, Pierre Acquavive a été élu président de la Chambre régionale d'agriculture. Le candidat FDSEA de la Haute-Corse l'emporte dès le premier tour. Je prends un peu ça comme un sacerdoce. Si j'ai été volontaire et que j'ai joué le jeu jusqu'au bout, je vais continuer à le faire. Mais ceci étant, j'essaie de garder le plus possible de lucidité, de ne pas être dans l'affect. Et ma préoccupation de l'instant, c'est vraiment de fédérer les gens. La séance avait débuté par une situation inédite. Alors que deux candidats s'étaient fait connaître, Pierre Acquavive et Cyril Caria, Mathieu Marfis de Via Campagnola propose une troisième voie, une union pour travailler tous ensemble dans un bureau à parité avec une présidence tournante. Je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas toute façon. L'annonce surprend Stéphane Paquet et déstabilise Cyril Caria. Une alliance avait été négociée autour de sa candidature avec Stéphane Paquet et Via Campagnola. On avait des accords avec des personnes pour essayer de faire une union. Apparemment, au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, si c'était pour partir tout seul, bon. Résultat, deux interruptions de séance et bien plus de tractations plus tard. Cyril Caria se retire, Stéphane Paquet est candidat, de même que Bernard-Antoine Acquavive, qui ne recueille qu'une seule voix, et Pierre Acquavive est donc élu. Mais le nouveau président tend la main aux autres organisations syndicales. Il propose à chacune une vice-présidence, ça n'aboutira pas. L'ouverture, je veux la faire. En même temps, il va bien falloir quand même sécuriser un peu le système. Je ne peux pas être à la merci sur chaque dossier des divisions qui parcourraient mon bureau. Donc nous sommes en train d'y travailler. Le bureau restera FDSEA Haute-Corse. L'un des gros dossiers à traiter, c'est la régionalisation. Le rapprochement des chambres d'agriculture est prévu à l'issue de cette mandature, c'est-à-dire dans 6 ans. Que 6 secrétaires adjoints.